Dresa si les serveuses savent quelque chose. Ça ne suffira pas, le moustique. Il faut agir vite avant que les potes de la liberté nous prennent de court. $5 de récompense. Tu sais ce que ça pourrait représenter pour notre franchise de super-héros? Il a l'air vieux, ce chat. Peut-être qu'il est mort dans une gouttière, et c'est tout. Homme cerf-volant, dois-je te rappeler qu'à partir de maintenant, les potes de la liberté comptent 100 followers sur Instagram? On en a 6. Nous 5 et Billy Turner. Et il est roux, en plus. Il n'y a que comme ça qu'on pourra battre ces enfoirés. Mais où chercher? Ce chat pourrait être n'importe où. Il faut se séparer. Le moustique, envole-toi et va voir tous les parcs de la ville. Compris. Le moustique décolle. Homme cerf-volant, regarde si le chat n'est pas coincé dans un arbre. Super Craig, tu prends les conduites d'évacuation. Super Craig. C'est là qu'intervient ta vitesse surhumaine, Quickie. File au bureau du maire et dis-leur qu'on est sur le coup. Allons-y, Allons-y, le coup, il s'abande. Excuse-moi. Super Craig, ici le Coon. Tu me reçois? Super Craig, t'es où, bordel? Je répète, t'es où, bordel, Super Craig? Oh, putain de merde, le système de sécurité déconne ou quoi? Les citoyens ordinaires n'ont pas le droit de pénétrer dans le repère du Coon. On joue au super-héros maintenant, et t'es pas un super-héros, le nouveau. Alors dégage. Bon, ok, tu peux nous regarder jouer au super-héros, tant que tu ne nous déranges pas. Et rends-toi utile, file-moi le Staffernizy, il est par là. Arrête, putain! Hey, je t'ai dit de pas t'approcher! Mais sérieux, t'arrives pas à trouver le Staffernizy? Nous, les super-héros, on utilise le mode inspection. Touche-le encore et on est tous morts! Eh ben, il t'en a fallu du temps! Staffernizy actif! Tu veux devenir un véritable super-héros, hein? Jouer dans la cour des grands? Peut-être que tu pourrais te rendre utile. Assieds-toi à la table, connard. Voyons voir, les NSA du moustique. La vache, c'est du langage humain, ça? Alors, pour jouer au super-héros, il faut que tu te crées un personnage de super-héros. Ensuite, tu pourras remplir ta fiche personnage sur Instagram. T'as bien une page Instagram? Oh, j'y crois pas, t'es même pas sur Instagram. Oh, bon, je vais t'en créer une. On se fout de ma gueule, là. Donc la première chose à renseigner sur ta fiche de perso, c'est ta classe. Genre, quel genre de super-héros es-tu? Comme t'es un noob, je vais te laisser le choix entre 3 options pour l'instant. Brutaliste. Exploseur. Speedster. Exploseur. Un exploseur, doué de pouvoir à distance, comme Cyclope. D'accord, connard, mais d'abord, on doit déterminer le trauma qui a fait basculer ta vie. Tu vois, connard, tous les super-héros ont des origines marquantes. C'est de ces origines que leurs pouvoirs prennent tout leur sens. Revenons sur ton enfance. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Comme bien d'autres nuits, tu n'arrives pas à dormir car tu te sais différent des autres. Tu t'approches du miroir. Tu te regardes dans la glace et tu te sens seul. Et c'est là que tout chavire. Un bruit. Tu jurerais que ta mère appelle à l'aide. Tu sors de ta chambre. Là, dans le couloir, tu aperçois 2 intrus devant la porte de tes parents. Il faut les empêcher de nuire. Tu sais que tu peux les arrêter. C'est alors que pour la première fois, tu fais appel à tes pouvoirs d'exploseur. Un authentique héros exploseur, tu entres en surchauffe car le feu s'est allumé dans ton ventre. Tu infliges sans tarder d'atroces brûlures aux méchants qui te font face. Alors que s'estompent les flammes, les intrus comprennent à qui ils ont affaire. Merde, ce petit flambeur ne rigole pas! Ta mère ne t'a pas dit de pas jouer avec le feu? Les intrus passent à l'attaque! Tu ne nous as pas laissé le choix, petit. Ah, ah, oh, oh.
Alors que les ennemis approchent, tu te dégages en les repoussant. Mais les intrus n'aiment pas se faire bousculer. Hé, hey, t'as pas le droit de nous bousculer comme ça. Ils étaient loin de se douter qu'ils se condamnaient eux-mêmes. Quelle portée ! Fais rester sur le côté. Son camarade hors de combat, le gros moche approche. T'es moins bouillant, hein, petit flambeur ? Ouais, on l'a bien calmé. Tu as été grièvement blessé, mais les coups des intrus n'ont fait qu'attiser les flammes qui brûlent en toi. Tu encaisses la douleur et tu lances ton attaque ultime. Et tu en viens finalement à bout. Tout semble rentrer dans l'ordre, jusqu'à ce que tu arrives à la porte de tes parents. Ce que tu vas voir en ouvrant la porte va changer ta vie à jamais et te pousser à combattre le crime. Mais il est trop tard. En ouvrant la porte, tu vois ton père baiser ta mère. Waouh, c'est un récit quasi insoutenable. Tu combats le crime car tu n'as jamais pu oublier la nuit où tu es arrivé trop tard, où tu as vu ton propre père, l'homme en qui tu avais confiance, baiser ta mère. C'est comme une faille irréparable dans le temps, n'est-ce pas? Bon, maintenant que t'es un super-héros, j'ai une mission pour toi. Va en ville et essaie de récupérer le plus de followers possible sur Instagram. C'est la seule solution pour que notre franchise survive.